Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Écoutez, moi ça va, je me suis bien levée ce matin. Ce que je ne vous ai pas dit le jour qu'on était, mais on est jeudi 12 octobre et il est actuellement 9h30. Alors je vous disais que ce matin je me suis bien levée. Logan a pris son biberon à 6h du matin et puis après je l'ai repris avec moi dans le lit, il a redormi jusqu'à 7h30, donc autant dire que j'ai bien dormi, bon, malgré que je me suis couchée vers 1h, 1h30 parce que j'ai fait du montage et du miniaturage, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Et je me suis couchée, Logan s'était réveillé vers 1h, donc je l'ai repris un petit peu avec moi au fauteuil pendant que je faisais mes miniatures. Et puis après, je l'ai recouché, il a dormi, après il s'est plus réveillé jusqu'au lendemain. Franck est parti travailler ce matin à 3h, comme tous les matins de cette semaine, puisqu'il est du matin. Carla est toujours en train de dormir, puisqu'elle commence à 11h. Je pense qu'elle ne va pas tarder à se lever. J'ai déposé ce matin Logan à la crèche à 8h30, parce que Jordan est commencé à 9h, donc je ne pouvais pas être aux deux endroits en même temps. Donc j'ai déposé à 8h30, on va dire, allez, moins 20, j'ai vite, vite déposé Logan. Et après, je suis revenue devant la maison parce que la crèche est vraiment à deux pas de la maison. Et Jordan m'attendait en bas. On est parti l'amener au lycée. Voilà, j'avais dit que je ne le mettrais pas à la crèche. Mais en fait, ce matin, il s'est tellement réveillé en forme que je me suis dit, allez Christelle, tu vas le mettre parce que ça lui plaît tellement la crèche que voilà. Donc du coup, je l'ai mis ce matin, bien sûr, maintenant il s'en va, même pas il me dit au revoir ni quoi que ce soit. Là, je vais quand même appeler pour savoir comment ça se passe, parce que comme il a quand même été pas fatigué dimanche, lundi et mardi, mercredi, ça allait un petit peu mieux, il toussait plus. Mais enfin, il était patraque. Voilà, il jouait pas trop, donc du coup, mais ce matin, il s'est vraiment réveillé à 2000. Voilà, donc je me suis dit, allez, tu le mets. Voilà, donc ceci dit, là je vais profiter de ce temps qui m'est imparti jusqu'à 11h30 pour vraiment, ben, comme tous les jeudis, être productive. Alors tous les jeudis sur mon planning que je dis qu'il faut que je fasse les sols, c'est ce que je vais faire. J'aimerais vraiment me munir d'un aspirateur robot qui aspire et qui frotte, comme ils ont toutes les youtubeuses et les influenceuses, mais je ne sais pas du tout combien ça coûte, il faudrait que je regarde. À la limite, il faudrait que je demande à Papa Noël qui me porte ça, mais ça, j'avoue que franchement, quand je les vois, ça me donne vraiment envie parce que je me dis que le soir, je pourrais le faire tourner au moins dans la salle à manger. Comme ça, le matin, quand je me lève, il n'y a plus de poils parce que le matin, c'est un tapis de poils par terre avec les chiens. C'est vraiment par rapport à ça, hein. Sinon, après, ma maison, en général, elle est faite parce que je la fais quand même tous les jours. Après, c'est vrai qu'au niveau du travail, quand je vais reprendre, il y aura un autre rythme. Il faudra que je m'organise autrement. Mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Voilà, ça devrait le faire. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est comme ça, il faut travailler. Voilà. Pour le moment, YouTube ne me finance pas. Je ne vis pas de YouTube. Pour le moment, c'est une passion que j'ai, que j'espère monter et que je vais... J'espère en retirer quelques petits sous-sous, mais ce n'est pas encore le cas que j'arrête de travailler par rapport à ça. Voilà, donc là, c'est la petite parenthèse. Sinon, je me suis arrêtée à l'auto-école pour Carla parce que il est grand temps que je voie un petit peu combien ça me coûterait et qu'est-ce qu'elle ferait, avec quelle auto-école choisir, parce que vu qu'elle a passé le code chez Ornicar, je ne savais pas en fait s'il y avait toutes les auto-écoles qui pouvaient être susceptibles de prendre Carla. Et effectivement, oui. Alors, je me suis renseignée, je suis allée à une auto-école qui est juste en bas de chez moi. Vraiment, Carla, elle pourrait même y aller à pied. Et elle voudrait apprendre à conduire sur une boîte auto. Et autant dire, j'ai été agréablement surprise parce que le permis en boîte auto, il est à 545 euros, donc relativement ben, la moitié du prix. Et par contre, il leur faut que 13 leçons de conduite avec quand même une évaluation de 30 à 30 euros pour savoir s'ils
s'il faudrait prendre plus de leçons ou pas. Bon, je pense que ça sera le cas parce que 13 heures de conduite, je pense que c'est vraiment très, très, très peu. Voilà. Sinon, elle s'était acheté quand même une petite Twingo en boîte manuelle. Je pense qu'on va la revendre et elle s'achètera une voiture en boîte auto si vraiment elle reste sur ce système-là ou pas. Je pense qu'elle est debout. Donc, je vais vous laisser, je vais reprendre tout à l'heure. Bon, voilà, je vous retrouve dans la salle à manger. On va dire, comme tous les jeudis, j'essaye d'être très productive et on va dire très speed. Voilà, très rapide, voilà, le mot exact. J'ai un créneau, on va dire, de 2 heures pour pouvoir faire le plus possible de choses que je ne peux absolument pas faire dans la semaine quand j'ai le gain. Donc, du coup, le jeudi, sur mon planning, il y a frotter la salle à manger, car je ne frotte pas tous les jours la salle à manger. Et parce que j'ai été de décider aussi de passer une petite coupe sur le luminaire pour passer bien 4 mois, ouais, voire plus, que je n'avais pas du tout fait ça. Voilà, je passe un coup aussi sur la barrière car mieux de rien, on a quand même les mains sans arrêt dessus et puis il faut nettoyer avec tous les problèmes Covid qu'il y a en ce moment. Et je finis par passer la petite serpillière, voilà. Voilà, on est sur du ménage quand même quotidien, mais que j'essaye quand même de faire un petit peu en profondeur. Je vous ai pas tout filmé. Et voilà, donc là, je vais me retrouver pour l'éternel pliage de linge. Je crois que même en étant à jour, il m'en reste toujours, toujours, toujours. Voilà, donc je vous mets tout en accéléré. Et je pense que, enfin moi du moins quand je visionne des vidéos en accéléré, ça me motive beaucoup plus que quand je mets en version normale. Je suis dans ma voiture, je vais éteindre le moteur, comme ça au moins c'est fait. Voilà, je suis dans ma voiture et je viens de déposer Carla à son travail. Et je vais m'arrêter, puisque j'ai fait une attestation, je vais m'arrêter pour aller acheter des clémentines. Et je voudrais acheter aussi de la viande pour ce soir parce que du coup j'avais fait le retour de course depuis un moment et je devais aller chez le boucher. Et chaque fois je reporte, donc j'achète au fur et à mesure. Mais là je pense que je ferai comme ça pour la fin de semaine. Et du coup il me fallait de la viande chez le boucher, donc je vais vite aller faire tout ça parce qu'il est déjà 11h02 et je voudrais récupérer Logan pas trop tard parce que normalement il peut rester à la crèche jusqu'à midi, mais je voudrais pas le récupérer à midi parce que quand il va à la crèche après il a très faim. Déjà d'une, il a pris son biberon à 6h du matin et depuis il a pas remangé. Normalement il redéjeune avec tout le monde le matin comme vous le savez, donc là il a pas remangé et donc il va avoir très faim. Et après, très sommeil aussi. Donc, du coup, je vais m'activer et je vous reprendrai sûrement à la maison. Bon, voilà, je vous reprends. Ben, il est quasi midi. Je suis allée chercher Logan à la crèche à 11h30 après avoir fait mes petits achats. Et là, il est là en train de regarder la papa et de manger les petits raviolis que j'ai acheté parce que je suis allée à la boucherie, comme je vous disais. Et j'ai acheté... des raviolis frais qu'apparemment ça ne lui plaît pas. Bon, je vous reprends après la petite crise de Logan. En ce moment, c'est beaucoup, beaucoup de crises. Il a rien voulu manger. Bon, ben voilà, il est fatigué. Il ment le yaourt. Il est là, il n'a pas voulu. J'ai donné du jambon, il n'a pas voulu. J'ai donné des raviolis, il les a pas voulu. J'ai donné un peu d'eau, heureusement qu'il a un peu bu. Bon, voilà, après, je le laisse 2 minutes un petit peu. Je vais le changer. Je bois un coup. Hein. Je vais le changer et je vais le coucher parce que
Là, il est fatigué. Alors, bon, c'est vrai que quand il revient de la crèche, il est toujours un petit peu fatigué. Parce qu'il joue, parce qu'il s'arrête pas, quoi. Mais ce matin, il était en pleine forme. Donc, on va voir. J'espère que ça va aller. Hein, parce que là, ça m'inquiète un petit peu qu'il ne mange pas beaucoup. Bah, alors, sinon, je vous montre. J'ai acheté un petit peu des bananes parce que je voulais commencer à. Ben, commencer. J'ai pas trop donné à Logan des fruits en morceaux. Je disais à Franck, je donne beaucoup de compote à Logan, mais jamais de fruits en morceaux. Donc à 4 heures, on va voir, peut-être c'est pas le bon jour. À 4 heures, je vais essayer de lui donner des petites rondelles de bananes. Et la clémentine, j'ai déjà essayé la clémentine et j'avoue que c'est un échec. Bon, la banane, normalement, c'est toujours une valeur sûre. Après, ça y aurait d'autres légumes. Bon, sinon, d'autres légumes, d'autres fruits. Sinon, donc, j'ai acheté clémentine et banane. J'en ai eu à peu près pour 7 euros. Et après, j'ai acheté un petit peu de ravioli frais pour ce midi, pour Franck et moi. On va sûrement les faire avec le reste d'alouettes que j'avais fait. Donc là voilà, donc il y a la sauce, donc ça sera très très bon pour lui et moi. Voilà, je vais remettre la petite assiette comme ça au moins ça reste au chaud. Voilà, j'ai pris ça. Et pour ce soir, j'ai pris des steaks hachés frais. Alors ils sont bien beaux, hein. Voilà, j'ai pris des steaks hachés frais. Vous en achetiez, j'en ai acheté 8, j'en avais 2 d'eau offerts. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, je vais pas tous les faire ce soir, hein. Bien sûr, j'en aurai pour 2 repas, voire plus. Je sais pas avec quoi je vais faire ça. Donc, voilà, je vais voir. Peut-être des petites pommes de terre ou je sais pas. Je sais pas. J'avais envie de faire un gratin de courgettes. Moi, j'avais envie de ça. Et j'avoue que j'ai pas acheté des courgettes. Ouais, j'avais envie de gratter une courgette. En même temps, il me reste un petit peu de soupe. Donc, je pense que le gratin, ça attendra demain. Il me reste un petit peu de soupe de courge. Donc, moi, je mangerai la soupe de courge avec une petite viande. Ça ira très bien. Et pour les Franck, Jordan et Dila et Carla, je pense que je vais faire la viande avec sûrement des petites pommes de terre. Voilà. Donc voilà pour ce midi. J'ai voulu vous filmer un petit peu plus de ménage, mais comme d'habitude, j'ai vraiment essayé ma perche à selfie. Elle est tombée plusieurs fois. Et j'ai dit vraiment, enfin, ma perche à selfie, ma perche à vlog en fait, elle est tombée plusieurs fois. Et j'ai dit, je vais casser ma caméra et j'avais vraiment pas envie. Donc je sais pas du tout. J'espère vraiment que Franck me l'a commandé. Je lui ai dit hier de me la commander, donc j'espère qu'il me l'a commandé. Enfin voilà. Sinon, le ménage, j'ai pas tout fini ce matin parce que je suis partie amener Carla à son travail, donc du coup, j'avais pas fini. Je crois que même que la chambre à Carla n'est pas faite du tout. Ouais, non, même pas son lit, il est fait, elle est partie comme ça. Donc ça attendra que Logan il soit au dodo. Sinon, j'ai frotté. Le couloir, j'ai frotté la chambre de Jordan, j'ai frotté la salle à manger, j'ai frotté la cuisine, j'ai frotté la salle de bain, j'ai frotté les toilettes. Il me manquera juste la chambre de Carla et aussi la chambre de Logan et la mienne quoi, en fait. Voilà, il me restera juste ça. Voilà. Sinon, pour la chambre des garçons, je pense qu'on va attaquer, je pense, ce week-end. Voilà, déjà pour tout décaler. Ah, je vous vois plus. Déjà pour tout décaler par là et mettre la verrière. On a regardé la verrière, on en a pour 250 euros. Donc, c'est pas une petite somme, mais bon, c'est nécessaire. Bon, enfin, voilà, je vais m'occuper de mon petit bébé qui est un petit peu. Là, il dit rien parce qu'il est devant la patte patrouille. Qui est un petit peu ronchon, je vais lui changer la couche et je pense que vers midi et demi je vais le coucher et je vous reprendrai sûrement après. Bon voilà, je vous reprends, mais il est 4h30.
Franck est parti chercher Jordan au lycée et on a un petit bébé qui s'est réveillé de la sieste en pleine forme, qui vient de finir de boire son bibi. Il s'est réveillé vers 4 heures, ouais, vers 4 heures à peu près. Je l'ai couché à midi et demi. Bon, je vous avais dit qu'il n'a pas beaucoup mangé, mais là, il vient de boire un bibi entier de lait. Et après, comme je vous avais dit, je vais essayer de lui donner un petit peu des fruits. Il fait très très sombre chez moi. Je vais essayer de lui donner un petit peu des fruits, surtout une banane pour le goûter, mais ça ne sera pas maintenant parce que Logan, il goûte un peu plus tard. En général, il goûte quand les grands ils arrivent. Voilà, donc moi je vais me faire un petit café comme tous les après-midi. Et puis voilà, ce soir, comme je vous avais dit, j'ai pris la viande, je ferai avec des pommes de terre. À midi, on s'est régalé avec Franck, avec les raviolis à la daube. C'était vraiment très 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 bon. On a fini les alouettes, ça se mariait super bien. Bon, cet après-midi, j'ai rien fait de particulier, j'ai plié du linge. Et puis voilà, puis après on a rediscuté avec Franck. Franck il a dormi, après il s'est réveillé, puis on a rediscuté tous les deux pour ma reprise de boulot. C'est un petit casse-tête chinois quand même, hein. C'est vrai, enfin un petit casse-tête, je dis un petit, mais c'est un gros casse-tête chinois. J'arrive pas à mettre, voilà. C'est un gros casse-tête chinois parce que. Alors, on calcule semaine ci, semaine ça, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et là, il faut que je tienne en fait jusqu'au. S'ils me le prennent pas, enfin, c'est dans l'éventualité que s'ils me le prennent pas à la crèche après les vacances de Pâques, il faut que absolument je trouve une solution, un système D pour Logan, quoi, en fait. Et à la rentrée en septembre, ça sera pas un problème parce qu'à la rentrée en septembre, ils me garantissent la crèche. Mais pas là. Le problème est que tant que j'ai pas repris le travail, ils me garantissent pas ils me garantissent pas la place. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu arrives avec ton vélo? C'est bien, maman. Tu fais du vélo? Tu fais du vélo? Ouais? Tu fais du vélo? Mon amour. Mon amour. Ah, où il est, Logan? Où il est Logan? Ah, il est là. Où il est Logan? Enfin voilà, donc il s'est réveillé en bonne humeur, donc ça fait plaisir. La Franck il tarde à rentrer, donc je pense qu'il a dû partir à la poste parce que moi je vous avais dit que j'avais été finalement, je ne pouvais pas y aller parce que le papier était au nom de Franck et il avait oublié de me le signer, donc du coup je pense qu'il a dû aller me récupérer le colis de Jiffy. Donc je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai pris pour Noël. Voilà, donc je vais me prendre un petit café, puis je pense que je vais me poser un petit peu sur l'ordi ou alors devant la télé, devant les rediffs des familles XXL. Voilà, je sais pas, je me prends un petit moment pour moi et après ça sera le. Ah, ça sera le branlement de combat pour le soir, quoi, en fait, parce que le soir, c'est toujours assez speed. Voilà. Thank you.
je vais l'ouvrir avec vous pour vous montrer ce que j'ai commandé. Je vais essayer, essayer de l'ouvrir d'une seule main puisque l'autre main. Donc voilà, donc je vous disais, Franck l'a donc récupéré le carton. J'espère que la perche ne va pas tomber. Alors ça, je me mets comme ça parce que elle n'est pas bien stable. J'espère qu'elle ne va pas tomber parce que sinon, ça veut dire que la caméra va atterrir par terre. Et voilà. Donc voilà. Ah oui, ça c'est mon chemin de table. Bon voilà, je vous reprends dans la chambre de Carla. Je me suis mis tranquillement dans la chambre de Carla. J'ai posé la caméra sur le lit. Au moins, j'ai pas de risque que ça tombe parce que j'essaie de le faire dans la cuisine. La caméra est déjà tombée, donc j'arrive plus. Il faudra vraiment que j'investisse dans du matériel un peu plus haut de gamme, on va dire, parce que j'ai l'impression que le matériel que j'achète chez Amazon, c'est moindre. Donc, je vous disais, voilà, j'ai reçu, j'ai commandé un chemin de table, deux même, je crois. Deux chemins de table façon Père Noël, parce que chez moi, la déco de Noël, c'est rouge et blanc. Avec un petit peu de doré, mais beaucoup rouge et blanc. Donc, vous avez les pompons comme ceci des deux côtés. Et puis voilà, il est assez grand. Donc j'en ai pris deux comme ceci. Alors je n'ai pas les prix, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du tout les prix. Parce que je les ai pris sur le site. Je n'ai même pas été le prendre en magasin. Donc j'en ai deux. Je ne vais pas vous ouvrir les deux. Parce que je vais quand même garder dans le carton. Donc j'en ai deux parce que comme je vous l'avais dit dans un précédent vlog, Noël chez nous. C'est assez volumineux, on va dire, puisque je reçois, moi, le 25, la famille de mon mari, et on est à peu près 15, voire 18 chez moi, donc ça fait du monde, et je fais ça vraiment comme il faut. Après, voilà, c'est ça que j'attendais le plus. Après, j'ai reçu, j'ai commandé, j'ai reçu, ces petits en fait bonnets de Papa Noël. Et c'est avec ça que je vais construire, que je vais fabriquer en fait le calendrier de l'Avent à Logan. Donc j'en ai pris plusieurs paquets de façon à en avoir jusqu'au 24, quand même jusqu'au 25. Et je vais le mettre sur un bois. Si j'ai la photo, je vous la mettrai sur un bois. Et tous les jours, je préparerai en amont. Et ça sera ou un chocolat ou des petits jouets. Bon, j'avoue qu'il y aura plus de chocolat ou des bonbons, ou des petits biscuits. Ça sera mélangé, mais ça ne sera pas uniquement que des jouets. Voilà. Et en fait, ce sont des petits chapeaux où on doit glisser normalement les couverts pour Noël. Donc, j'avais trouvé ça super pratique. Donc, avec ça, je vais fabriquer le calendrier de l'Avent. Donc, du coup... ça, j'en ai commandé plusieurs de façon à en avoir quand même jusqu'au 25. Voilà. Donc, on a tout ça. Voilà. Et après, j'ai commandé aussi des petites assiettes comme ceci où je mettrai les petits toasts apéritifs pour l'apéro de Noël. Donc, j'ai pris dans ce style-là. J'ai pris aussi des petits bâtonnets pour piquer sur les, je sais pas moi si je fais des petits, des petites rouleaux à la saucisse ou, enfin je sais pas comment c'est exactement, je n'ai pas vu le menu, mais je sais que ça c'est super joli. Voilà, donc il y a Papa Noël et un bonhomme de neige, donc je trouve ça vraiment vraiment très très beau. Et dans le paquet il y en a 24, donc j'ai pris un seul paquet parce que ça suffit largement. Voilà, donc c'est vraiment dans le thème parce que c'est un peu kitsch ma déco, mais je l'assume complètement. Je suis pas du style à faire Noël avec de l'or machin tout ça, je trouve ça très beau, attention hein. Mais moi je reste quand même dans le kitsch, dans le Papa Noël, voilà, le
le rouge. Voilà, c'est vraiment ça qui me plaît. Voilà. Sinon, j'ai pris aussi des serviettes. Elles ont l'air grandes, elles ont l'air épaisses, donc je suis contente. Donc, vous voyez déjà, vous voyez ma main, c'est vraiment grand. Hein. Donc, j'ai pris deux paquets. Voilà. Alors, ça sera pour mettre dans les assiettes pour le repas. Mais après, j'en aurai des toutes petites pour l'apéro. Ah, j'ai peut-être les prix. Donc, peut-être que... Ah oui, le chemin de table, non, il n'y a pas les prix. Désolée, il n'y a pas les prix. Donc voilà, et j'ai commandé aussi, bien sûr, les gobelets. Alors, genre, je commande toujours des petits gobelets, j'en ai pris 3 paquets. Je commande toujours des gobelets en carton pour Noël, parce que déjà qu'on est nombreux, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de vaisselle. Donc au moins l'apéro, il y a déjà ça d'économiser sur la vaisselle. Après, je marque les prénoms de façon à ce qu'on utilise un verre chacun. Voilà. Et je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai commandé chez Jiffy. Mais c'était surtout ça que je voulais en priorité pour fabriquer le calendrier de l'Avent à Logan. Voilà. Voilà, donc je vous ai montré mon petit haul. C'est vraiment un petit haul, mais je voulais vous montrer vraiment parce que je me languissais. Surtout de vous montrer les petits chapeaux de Papa Noël pour faire le calendrier à Logan. Mais je me languis, je vous filmerai aussi quand je le fabriquerai. Voilà, j'ai vraiment hâte parce que l'année dernière, Logan, il avait 6 mois. Là, cette année, il va avoir demain, il a 19 mois. Donc pour moi... c'est un trésor de redécouvrir avec un bébé Noël à la maison parce que c'est toujours très très beau Noël avec un bébé, même si même mes grands c'est toujours très très festif et très Noël enfin. Alors, je me comprends parce que moi ils ont des cadeaux qu'ils veulent, mais il y a toujours des cadeaux que moi je choisis et que je mets au pied du sapin. Et dans un précédent vlog, j'expliquais que en fait je faisais le Noël avant d'avoir Logan à l'américaine. Je mettais les cadeaux au pied du sapin 2 jours avant pour les faire un petit peu mousser. Bien sûr, ils étaient un peu plus grands, hein. Et ils se regardaient, ils disaient qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est pas. Ils les touchaient, je leur disais vous touchez pas, vous avez juste le droit de les regarder. Il les comptait, Jordan il disait toujours « Oh, moi j'en ai pas beaucoup » et en fait finalement il en avait toujours plus que les autres. Jordan c'était le petit dernier et même si Logan maintenant, il aura toujours plus de cadeaux que les autres parce que Jordan il veut toujours avoir plus de cadeaux et il les compte, je sais pas pourquoi, et c'est le syndrome du dernier en fait. Et même s'il va avoir 18 ans, c'est quand même toujours mon bébé. Et je le ferai plus ce système là et ça sera uniquement le matin sur le 25 avant que ma belle famille arrive, on ouvre les cadeaux tous ensemble. Et bien sûr quand on ouvre les cadeaux, on s'attend un par un pour ouvrir les cadeaux. Bien sûr on commence toujours du plus petit au plus grand. Donc avant c'était Jordan, donc cette année ça sera Logan. Même l'année dernière c'était Logan, mais encore plus cette année. Et ses frères et ses sœurs se languissent vraiment parce que l'année dernière il était petit, mais vraiment cette année ça prend toute son ampleur en fait, voilà. Et puis voilà, donc je me languis malgré le confinement, si on y est, malgré tout ça, j'espère que la fête et que la joie y sera, il n'y a pas de raison. Voilà, donc on va finir sur cette note positive et je pense que je vais vous laisser ici. Après, il va rentrer Carla, je vais finir ma petite soirée avec ma petite famille. Et puis voilà, et puis je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, ce n'est déjà pas fait. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Ciao, ciao !